regard. Il aurait mieux fait de fuir au lieu de se battre. Terminaux secondaires ? C'est où les trucs intéressants, Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. Pionnier, un bulletin de maintenance a été émis au moment de la coupure. Ça dit quoi ? Fuyez. Fermez la porte, vite ! Tempête, on a un ennemi inconnu. Évacuez le pionnier ! Eh, attendez un peu. Pas moyen, Harper. On ne peut pas se montrer maintenant, Deckard se dirige vers vous. Deckard en plus de ce machin ? Merde. Restez sur vos gardes. Ce monstre traîne dans les parages. Et les cartes se joignent à la fête. On ne peut rien faire tant qu'ils sont là. Pas étonnant que le site 2 n'ait pas tenu, aussi résistant qu'il ait pu être. Des schémas pour un projet spécial Sigma. Ils construisaient quelque chose, mais il manque des morceaux. Ça doit être le projet sur lequel ils travaillaient au site 1. Un moyen de combattre les Kertes. Où pourrait finir le travail ? Tous les composants du site 2 avaient des systèmes de sécurité. Compilation de coordonnées possibles en cours. J'ai un composant pour le projet du site 2. Thank you.
Deckert sont passés avant nous. Attention, il y a peut-être des reliquats dans le coin. Tous les composants du site 2 sont présents. Direction la station de recherche du site 2 pour voir ce qu'on peut en tirer. Les lumières du site 2. Et... Impeccable. Trouvons une station de recherche pour voir ce qu'on a déniché. Pionnier, je me demandais, vous pourriez approuver un projet? C'est pour Jal et moi. S'il faut que vous le mettiez dans une case budgétaire, disons que c'est de la diplomatie. Approuvez notre étude et on gère le reste. On a vaguement abordé votre recrutement. Parlez-moi un peu plus de vous. D'accord. J'étais un mauvais élève, un flic à chier, mais un super intervenant. Je m'en sortais pas mal, mais j'avais déjà fait le tour. Je ne cherchais pas à recommencer à zéro, je voulais juste mettre un peu de piment. Parlez-moi de votre famille. Il me manque vraiment. J'en pleure en m'endormant parfois. C'est normal, non? Ma mère, Joël, mon père, Calvin, tous les deux avocats. Ils se sont rencontrés sur la citadelle et puis se sont installés sur Terre. Pas de frères et sœurs. Je crois que j'aurais eu trop de mal à les laisser. Une famille traditionnelle. Et voilà. Ma vie de famille à moi n'avait rien de conventionnel, à bien des égards. Mais on fait avec, pas vrai? C'est ça, la famille. En tout cas... c'était comme ça chez moi. J'ai dit au revoir à mes parents et j'ai embarqué pour Andromède. Vous étiez dans la police, puis en équipe d'intervention. Deux expériences relativement courtes, alors. J'étais pas assez patient pour être avocat, alors je me suis dit que je pourrais être flic. Mon père savait dès le début que c'était pas fait pour moi. Mais ça m'a permis de rentrer dans le Trust, qui ne prend d'habitude que des vétérans. Ça a été les meilleures années de ma vie. Un bleu impatient et frustré par le protocole, ça sent le réchauffer. Moi, ouais, je sais. Je voulais du nouveau, et j'en ai eu. C'est ce qui m'a mené ici. On reparlera plus tard. J'en doute pas. J'attends toujours ce projet de réquisition d'armure, sans vouloir vous presser. Qu'est-ce que vous pensez des gens avec qui on travaille ? L'équipe et toute la bande? Je me plains pas. Vous devez bien avoir un avis. C'est votre avis à vous qui compte. Qu'est-ce que vous pensez de votre équipe? Certains se demandent comment on fait pour s'entendre. Moi y compris, parfois. J'en perds la tête, parfois. Lexi doit voir des alertes psy un peu partout. C'est à nous de nous débrouiller. C'est pour ça qu'on a ce vaisseau. Pour qu'on aille au bout de notre quête. Je me demandais juste, vous trouvez que je m'en sors comment? Je suis dévoué à l'initiative, vous êtes pionnier, y a pas plus simple. On reparlera plus tard. J'en doute pas. Groupe d'assaut prêt pour le déploiement.
Liam, j'ai autorisé ce projet. Bonne nouvelle, pionnier. Jal Amadarav, on a notre matos. Costa, Ryder. On peut savoir pourquoi vous roulez des mécaniques? On échange nos armures. On ne répare rien. Le laissez pas se moquer de vous. Je lui ai expliqué l'expression. Vous êtes prêt? Prêt. Bien. Le motif sur votre épaulette? La marque de ma famille. Je peux mettre le poncho? C'est un Rovjin. Et non. Pourquoi? C'est sacré? C'est quoi ça? C'est personnel. Vous n'avez pas le droit. À cause de mon rang? Ou de ma race? Peut-être bien les deux. Tous les humains se ressemblent? La façon de parler de certains d'entre vous, oui. Oh, oh, oh. Je sais comment ça va se passer. L'un de vous va mal le prendre et frapper l'autre. Oui, c'est pour ça qu'on fait ça ici. On échange nos armures contre des réponses à des questions plus sensibles. J'ai eu mon tour plus tôt. Les données du Nexus sont loin de tout nous dire. Mes excuses. Ce n'était pas autorisé? Espèce de petit à 10 sournois. Dans tous les cas. Ryder? J'espère que vous savez ce que vous faites. Je veux pas avoir le Nexus sur le dos. Du calme. Jal n'ira pas se plaindre au DRH ou à qui que ce soit que Tan considère comme nos responsables. On se balançait des vannes et on s'est aperçu qu'on savait pas insulter l'autre, ou même éviter de le faire. Certaines choses sont si profondément ancrées qu'on ne les voit pas. On ne savait même pas interpréter les signes, alors on a tout mis à plat. Maintenant, ça n'arrivera plus par accident. En essayant de négocier un avant-poste, par exemple. On a déjà bien assez d'ennemis chez les Angara. Bien, je comprends plus ou moins l'idée. Tant qu'il n'y a pas de mal... Si j'avais vexé Jal, il m'aurait collé une raclée. J'ai rien contre ce genre de réaction honnête. On a beaucoup à apprendre. Notre équipe sert en partie à ça. Mieux vaut le faire maintenant que quand des vies seront en danger. Enregistrement de l'identification cryogénique de l'initiative E-97 du Rango. Technicienne en chef, Grace Lito. La dernière a évacué. Elle a pris des risques, mais ça n'a pas marché. Rien n'a marché. Elle est quand même partie.
Certains d'entre nous continuent d'essayer. Ascension en cours. Sortie d'atmosphère. RAS. Surveillez votre langage. Je pensais savoir à quoi m'attendre. Suite au réveil post-stase, l'initiative lance un appel au don de sang, de tissus et d'ADN. Allez voir un médecin si vous souhaitez participer. Vous êtes sur SIH. Non, ce n'est pas ce que nous voulions. Mais nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce Pionnier, que j'en fais ? La répartition des PVA se poursuit conformément à vos indications. Bien sûr, l'interface demeure accessible pour procéder à tout ajustement nécessaire. C'est un bon protocole et un bon processus. Maintenant, on peut vivre. Pourquoi vous avez rejoint l'initiative ? J'étais enseignant. C'était une belle vie. Je voyais les avantages et les inconvénients qu'elle m'apporterait jusqu'à la fin. Vous avez pesé le pour et le contre et le résultat était aller dans Andromède. Non, c'est juste que je n'aimais pas être capable d'en voir la fin. Ici, je n'ai aucune idée de ce que demain me réserve. J'ai plus l'impression de vivre. Attention à tout le personnel. En quoi puis-je vous aider ? Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'initiative ? Consultez l'interface de PVA. Elle récapitule votre progression en détail. Et votre avis à vous ? Vos progrès me ravissent. Rendez mon travail obsolète, pionnier. Je vous mets au défi. Il y a une personne spécifique que j'aimerais sortir de stase. Son nom et sa désignation, si vous la connaissez. C'est tout ? Vous allez le faire comme ça ? Ma fiche de poste ne contient nulle part la mention « Contester les décisions du pionnier ». Par contre, je note toutes les interactions. Si votre demande crée des problèmes, vous en serez sans aucun doute tenu responsable. J'ai entendu dire que la technicienne en chef d'EOS était retournée en stase. On a eu quelques demandes de cet ordre. Les premiers mois dans Eleus ont été décourageants. Maintenant que Prodromos est sur les rails, je veux qu'elle soit redéployée. Grace Lito, technicienne en chef, désignation E97, Durango. Le déploiement commencera bientôt. Il vous fallait autre chose, pionnier ? Pourquoi certains colons ont une désignation avec des chiffres et des lettres ? Tous les membres de l'initiative en ont un. Quelque part dans leur dossier, en tout cas. Ce n'est pas pertinent quand tout le monde touche à tout. C'est un peu comme donner de l'importance au deuxième prénom. Vous ne connaissez pas la vôtre ? Je savais pas que j'en avais une. Vous faisiez partie des privilégiés, même avant de devenir pionnier. Rider, pionnier. Désignation, explorateur. A04, Malapa. C'est intéressant. Un A et un petit chiffre. Vous êtes entré tôt dans le système. Une autre fois. Pionnier,
Rappel à tous de la part de la surintendante Kesh. Toute modification du réseau électrique doit être approuvée au préalable. Tiens donc, le centre de recherche de l'avant-poste est toujours intact. Je préviens le Tempête de cette récupération cruciale. La recherche a toujours été essentielle pour l'initiative. On en aura besoin ici aussi. Récupérer des trucs à droite et à gauche, c'est fini. Maintenant, on reconstruit. La station de recherche est activée. J'ai dressé une liste d'armes que nous pouvons fabriquer en rassemblant les composants nécessaires.